subisse uma boa vontade. Pede para o Senhor que o seu tempo está mostrando a saber o que é a boca do homem a criar com essa pessoa, mami, na ia, na tomba essa. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous connaît Jésus.
la vraie secours. Il est le vrai secours, bien-aimé. Donc, la carte, il faut voyez pas au baisser ma tour. Tu dois savoir l'exalter ou le rendre grâce dans ta vie. Oui, le vieux texte, la mission, le nom de Jérémie 10, verset 10. Nous prenons notre texte dans Jérémie 10, verset 10. Nous lisons dans le Proverbes. Amen. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Yahweh a sa lintabde na mosolo. Il est un Dieu vivant. A sa lintabde na mori. Et un roi éternel. Et où est-ce que vous êtes? La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. Aujourd'hui, Apocalypse 19. Les Seigneurs leur ont fait connaître, montrer.
depuis la création du monde. Donc ce qui était, vous voyez dans la carte à travers la vie qui t'a dit. Pour ceux que tu peux connaître de Dieu, je prends un exemple. Nguya. Donc sa puissance éternelle. Il t'a servi dans la vie. A été manifesté à la création. On regarde dans mon ouvrage. Tant que ce temps-là, nous autres là, ouvrage naïf. Tant que ce temps-là, nous sommes là, nous sommes au moment la perfection invisible de Dieu. Tu vas voir la perfection invisible de Dieu. Donc, et l'homme est invisible. Donc, ce qui est invisible. Alors, il est au donc, dans la perfection. Et comme au moment à l'œil. A été fait visible par la création. La puissance éternelle. Mouya dans sa mère, c'est quoi? Donc, quand tu considères ces créatures, nous avons la puissance éternelle. Donc, tu vois vraiment la puissance de Dieu éternelle invisible. Je prends un exemple. A Kéli, lion. Il a créé l'animal qu'on appelle le lion. Lion, en tant qu'homme, roi. Animaux. Et le lion est comme le roi des animaux. Quand tu regardes dans l'œil, lorsque tu regardes le lion visiblement, tu vois la puissance de Dieu. Nous avons la bouillie qui en s'appelle. Nous avons l'œil qui a été dominé du couloir malin. Donc sa manière de dominer sur tous les animaux. C'est le peuple maître de Dieu, c'est ça. Et les animaux autour qui voyaient par exemple date dans sa paix. Au télé du poussière du balai. Donc que tu es là devant les océans, devant les mers. Mon mer, mon océan. Parce que mon ami Sonayo, moi on a un arbre pour soi maillé. Parce qu'avec tes yeux naturels, tu ne pourrais pas voir de l'autre bord de la mer ou de l'océan. Mozito Nayakoïsa, mon laïcole. Avec vraiment une profondeur considérable. Tant t'as dit qu'à l'eau. Lorsque tu regardes la mer ou les océans, parce que ce qui peut être une mission qui est, ma main est en paquet à côté, à Zamon aussi. Parce que c'est quelqu'un qui dit que Dieu n'a pas créé le zoo ou les océans de mer, c'était menteur. Donc, au moins, il y a une théologie qui fait qu'il y a des années. Vous voyez, c'est quoi la difficulté dans la théologie? À Zamon, à côté, la maman, à Zamon, à Zamon, que la lumière soit. Et pour eux, la création, c'est lorsque Dieu a commencé à vivre pour les âmes. Et Manuel à la terre. Ça n'a pas commencé là. D'ailleurs, place qu'on a dans le baguette. D'ailleurs, à cet endroit-là, on dit. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. On lit moi tant ça va dire qu'on débatte pas de la main. La terre est forme et vie. Ma belle ça va dire l'eau coupée au dégain à serre. Donc terre est là. Donc il y avait la terre. Avant le baguette, la lumière soit. Avant que Dieu nous dise que la lumière soit. Les eaux, les anales. Isalata avant que l'homme ait la lumière soit créée. Il y a des paroles pour les âmes. Il y a beaucoup de Colossiens et l'homme. C'est pourquoi Colossiens dit il y a la création où ils avaient d'abord invisible et invisible. Pour que Dieu s'arrête pour mon analyse, dès que nous avons un analyse. Ils ont un commencement, un commencement. La Bible est salina et par la paix et par là. Donc ils ont épargné d'autres temps et d'autres moments. Il y a le commencement que nous lisons, ce que nous voyons à l'œuvre. Oui, Babi, au commencement, qui créa les cieux et la terre. Donc, nous parlons de Babi, la Tzamba, qui l'a développé. Et Babi, que la lumière soit. Et on dit, pour les âmes. Hier soir, hier matin. Ville et lieu des jours, ils ont dit, pourquoi? Mais ton nom, Pessin, pour la cause. Et là, c'est pareil que la lumière avec les ténèbres. Comme il avait séparé les ténèbres. Et c'est puis le premier. Oui. Le premier jour par rapport à la création de nos mondes. C'est puis le premier jour par rapport à la création visible. Mais en amont, ok, la mort, je suis en passant qui avant. Il y a aussi la création qui était avant. Avant le temps. Avant le temps. Sarah qui m'a dit. Il avait aussi créé d'autres choses. L'étymologie. Comme les ténèbres. Sarah moi avant. Les seigneurs les avaient déjà créés bien avant. Pour l'Esaïe 45, parce que dans l'Esaïe 45, dans verset 7, au verset 7, l'Écriture des yeux du service de l'Écriture nous dit ceci. Esaïe 45, verset 7. J'ai l'honneur de Jésus-Christ. J'ai forme la lumière. La salle
Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Naï olo na sabata dilomo wana nyonso. Ya novemba mo ke na lumière soit boli déjà avant que le Seigneur me dise que la lumière soit il y avait des ténèbres. Et ça quand il nous soit boli. Et ça quand il a ta prière là que là boli. Il y a des créatures qui avaient créé des ténèbres. Il est mon corps le bénéfice de la sainte. Il est lui-même dit dans les écrits anciens que c'est lui. Voilà créé avant avant 6 jours. Et ces jours dans le Seigneur les a créés avant le 6 jours. Bon ami, la salade. Ajouta a lista de monte sa sagesse insondable. Porque que e bomba menino na isso para cumprir o tempo. Porque se o Senhor tache quelque chose, a Bíblia será um tipo limite. Ah, on le fait apparaître aussi dans la Bible comme des ténèbres. Molini tem essa lista de monte. Les ténèbres ne représentent pas seulement le péché. Aux yeux psaume 18, verset 12, 10, 10 à 12, psaume 18. Au cadavre, on sait qu'on t'a pour la somme, il a pour la paix. Psaume 18, on t'a pour la somme, il a pour la paix. Le verset 12. C'est là la somme, il a pour la paix. Pour que Dieu nous aide vraiment pour comprendre les mots. Et le Seigneur nous aide pour comprendre cette chose. Dans même le verset 10. Je commence même au verset 10. Mais dans un temps plus, dans le verset 12. Et Dieu plus le deuxième verset 12. Il a baissé les cieux. A quitté Santa Mapolo. C'est comme si pour bouger par régler par l'instrument de Mille Macas. Et il descendit Péakitak. Il n'y avait ni de peste ni sous ses pieds. Et Zalaki n'a pas terre, ni ne pétant la serre. Il était monté sur un chérubin. À Madaki, il connaît un kérubément. Et il volait. Péasalaki, il planait sur les ailes du vent. Péopoua, n'a pas pu y avoir pépé. Dans la verset 12e. Il faisait des ténèbres sa retraite. À Satan qui consacre la milieu et cita et bomba les lunaillés. Satan autour de lui. À Satan qui milieu et salapé et matinatina. Il était enveloppé des eaux obscures. À cita moi qui n'a pas mal à milieu. Et ne sortait ni à chier. Puis n'a pas pas terre à milieu. Donc, son père n'a pas sa retraite. Donc, si le Seigneur veut se retirer, parce qu'il est traité dans la lumière, il ne va pas se retirer dans la lumière. C'est un verset. Des amis commis. À ça, la retraite dans la ténèbre. Le Seigneur se retire dans les ténèbres. Ténèbres ne vont pas pécher. Et ces ténèbres-là ne veulent pas dire le péché. Mais ténèbres sont à ça. Mais ces ténèbres représentent. Ils ne tentent à être bon. Et maman coïncide à être bon. Où il vient de se cacher. Donc, alors que si tu as quoi bon, maman, il cherche un lieu où se cacher. Mais d'accord, mais la maison qu'il a prise, c'est dans la maison. Si tu regardes cette maison, c'est vraiment des ténèbres et tu ne pourras pas comprendre. Dieu bénisse. Amen. Il y a un autre monde dans ta maison pour bon, maman, et pas il y a. C'est pas Israël. Lorsqu'il vient se cacher dans Marie devant Israël, quand l'ange a donné Israël, lorsque l'ange dit bonsoir, moi, tu auras un fils. Aïe, Messie, l'ange lui a dit bonsoir, moi, tu auras un fils. Et moi, si la famille n'a dit qu'un. Et la femme lui répondit quand même, je ne connais pas l'homme. Aïe, il va l'aider. Mais comment la rencontre? Comment aurais-je un fils? Alors oui, le Saint-Esprit découvrira de son nom. Mon lit mon sang et aussi baillon à Mililina. Donc mon lit mon sang est à la Mililina. Donc le Saint-Esprit a son nom.
Et l'enfant qui n'est pas Luc chapitre 1. C'est ça sa maison à retraite. Il y a côté et manaïe, si tu as été là, au bon papa. Même quand il est à Sinaï, même lorsqu'il descendit sur le bon papa qui t'a arrêté, il était toujours caché par les épaisses ténèbres. Par lui, montagne, il avait été amoli, il m'a cassé. On dit la montagne était dans les ténèbres. Et pour le matin, les montagnes, la Sinaï, il n'a pas tout commis. C'est l'air, il ne veut pas dire que la montagne était remplie du péché. Non. Non, bien aimé. Et ça, Dieu se cache. Et ça, c'est ça. Donc pour comprendre que c'est Dieu, il faut comprendre la voix qu'il y a. Il faut qu'il t'ouvre la voix et t'appelle pour comprendre. Et ce qu'on va comprendre, ok. Et si tu le vois, on va mourir. Tu ne verras que les ténèbres sur ténèbres. Verset 8, hein? Le verset 8. Verset 28, il y a dit qu'un. Le verset 8. L'ange entra chez elle. Ange de la montée qui parle. Et dit. Dans Luc chapitre 1er, verset 28 de notre envie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce qu'elle pouvait signifier. Repose sur la salutation de l'ange à Marie. Rwana, ma prière, Rwana, c'est l'iniquité. Alors, le sang, Rwana, c'est un bébé, beaucoup qualité. Doctrine, et ça, de la camarade, c'est la doctrine de l'éon. La doctrine qui est bien celle de Marie, c'est la doctrine de Satan. Marie est notre sœur. Marie a sa vie, mon ami, sauve. Marie a sauvé parce qu'elle a réservé le Saint-Esprit. Non, tati, y a Marie, qui peut être pas celle qui mourit au sang. Dans le verset troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce qui pouvait signifier une telle salutation. Verset 32, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici qui deviendra enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Ce sont des langages qu'il faut expliquer par la grâce de Dieu. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut qui couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Il faut aussi, madame, que tu dois d'abord retenir. Lorsque le Seigneur avait tout créé dans la création, il allait pouvoir manifester sa perfection invisible, il allait pouvoir montrer sa puissance, autorité, sa divinité, comme ça, c'est la manière dont tu le vas créer.
crier. Au moment du temps qu'on a crié, vous voyez, lorsqu'il a crié, a-t-il mis chef, mon? Il avait établi un chef. Chef, voilà, à s'adapter à son image. Et ce chef-là était créé à l'image de Dieu. C'est ça, fils. Il a donné moine, balle. A besoin de pouvoir. Il lui avait donné le pouvoir. Autorité. Il lui avait donné l'autorité. Toute l'autorité. C'est que, a besoin de fils. Il a donné le royaume. Il a donné le fils, le royaume. Parce que le royaume que nous avons encore. Parce que le royaume que nous avons. Et bien gagné aussi le royaume et son fils. Est appelé aussi au diamant à l'animal. Pour la ligne des animaux. Pourquoi il y a cette terre là? Jésus pour Jésus-Christ dans la place d'Adam. Parce que c'est Jésus-Christ qui prend la place d'Adam le premier. Dieu bénisse. Amen. Il est un comme héritier. Adam le premier qui était comme héritier. Et avant d'insister là, c'est pourquoi je t'avais insisté. Que bien-aimé. Le Seigneur la salle à Salana a tribu la fils. Et le Seigneur a travaillé avec la tribu du fils. Pour savoir la libula. Pour hériter l'héritage. Aïe, à nommé Abraham à Mokitani Abraham. Il est venu le parler à Abraham et à sa postérité. Adam. Tout cela, il répond ce qu'il avait fait avec Adam. La postérité. Avec la postérité d'Adam. Pour le trône. Concernant le trône. Aïe, pas David. Il vient vers David. Trône, quoi, après ça, David. Avec un mot son trône. Le Seigneur l'appelle comme son propre trône. Donc, trône de l'éternel. Wende na Yahweh. Même ange a nommé le diable. Même l'ange en a dit. Verset 32. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et Yahweh s'appelle à couper sa taille. Voilà mon père, c'est pour montrer Jésus-Christ est un véritable fils de David. Jésus-Christ a servi moi à David qui a sorti. Mais celui qui va le fils de David. Donc si on parle du fils de David, il y en a pour tout le monde qui a trône. Toi, sur ta tête, tu dois mettre le trône. Il va comprendre ma tribu de Dieu. C'est une vie par rapport à la salade. Donc, tant pas besoin de me la moindre. Lorsqu'on parle du trône, pourquoi il y a une moindre à la carte? David. Le nom du trône de Dieu, c'est David. Nous allons en avant. Vous suivez attentivement. Il y a un moment où l'ange a nommé le diamant dans le verset 32. C'est pourquoi l'ange en a parlé au verset 32. Il y a un moment où Nathan et Lyon, dans le livre de Jérémie 10:10. C'est pourquoi je fais la lecture de Jérémie 10:10. Que trône en réalité. Donc le trône en réalité. Les arabes n'ont pas éternel et mon. Et d'autre le même de l'éternel. À savoir éternel. À savoir continuer à se connaître. C'est vrai qu'il faut continuer, on peut s'en faire pas pour tout. Cela veut dire son, sa royauté ne sera venue sa personne. Son moment m'a présenté roi. Si vous voyez présenter un roi éternel, donc un roi éternel. Et là, il est là. Sachez que c'est lui-même l'éternel. Amen. Et maintenant, vous comprenez des bonnes. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas vos familles à mon lit? Parce qu'il est caché dans le ténèbre. Deux chroniques, chapitre 6. En autant qu'à l'amour, Jérémie, bien-aimé. Comment ma maman a voulu que ça vous l'aime à ce que nous l'avons autres, à combiner du monde. C'est retiré dans les ténèbres, c'est la manière dont il a accepté de porter le corps pour paraître comme un homme. Azaïe, mon condé, au Kiribikolo-Pessé. Il est lui seul le créateur du ciel et de la terre. Mais Aïe, dans le lien à mon monde. Comme un homme. Deutéronome 6. Verset 1 à 2. Alors Salomon dit. Et Salomon a alloué. L'Éternel fait habiter dans l'obscurité. Yahweh a dit afin dans la carte à l'église. A l'obité qu'elle n'a pas fait dans la Il n'a pas dit qu'il veut habiter dans la lumière. Non. Le Seigneur a besoin d'habiter dans le ténèbre. Ténèbre, et
c'est la tente qui vient. Parce que psaume 18 est béni à mon verset 12. Aya a un beau moment dans ta ténèbre. Il vient se retirer dans les ténèbres. Donc, au beau moment, quand tu as connu les âmes, tu as dit, fils de Jésus. Donc, c'est retiré. Dieu s'est retiré dans les ténèbres parce que son apparition, comme Jésus, le fils de Joseph. Tu vas les regarder à l'œil. François, tu dois vraiment recevoir la grâce. C'est Dieu qui a fait la ténèbre. Les âmes, tu as mis la ténèbre. Il est ensemble avec les gens. Avec ses propres. Il a créé ma pièce. Qui a créé les pierres. Jacques. Et lui aussi l'a parlé comme une créature. Parfois ils sont là dans des marques. Et on ne peut pas trop fatigué. À un moment, il a dit aussi la fatigue. A miné canali. Il apparaît comme s'il dort. L'obscurité de l'éternel. C'est pourquoi les sages ce matin, lorsqu'ils lisent les écritures, ils appellent pour moi la gare. Non, ça m'éteint. Il n'est pas Dieu, non. L'obscurité est lui à Moana. Donc, les Seigneurs, Colo, ceux qui veulent le comprendre, qui est les armées, si ça va. Glorifie Dieu si tu as compris aujourd'hui que c'est lui le Dieu véritable. Il faut vraiment glorifier le Seigneur. Pour qu'Israël puisse perdre sa vie. Pour qu'Israël puisse perdre sa vie. Le Seigneur s'était seulement retiré dans les ténèbres. Et c'est ce qu'il avait fait. Mais il faut évoluer que. Mais tu dois savoir ceci. La royauté qui me conduit dans le royaume. Et dans un royaume, c'est le roi qui est la tête du peuple, de tout le monde. À part lui, il n'y a pas un Dieu qui est la tête. C'est lui qui est la tête de tous. Le roi est élevé en Israël. C'est pourquoi le jour où les anciens d'Israël avaient eu des soucis, ils cherchaient à établir un roi sur Samuel. Ils ont demandé à Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 6. Donc, chapitre 8. Samuel chapitre 8. Ce qu'on va lire verset 1er, 10 à verset 7. En lisant le verset 1er jusqu'au verset 7. Un gars à partir du verset 4. Moi je prends à partir du verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vers au premier Samuel à la main. Mais pas là qu'il y a Samuel et la montagne. Il lui dit, voici, tu es Dieu. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi. Pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel dit avec des plaisirs utilisés. Donc, nous, un roi pour nous juger. Samuel, à mon avis, à mon appas, à mon terme, 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 à l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejettes. C'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. On a deux doigts sur le micro. Donc l'Éternel a fait ça, le véritable roi. L'Éternel montre que c'est lui le véritable roi. Maintenant, la maison où est comme l'obscurité de l'Éternel. Maintenant, la maison.
maison qui est comme l'obscurité, le lieu où il se retire, c'est les sanctuaires. Les sanctuaires venus à travers. Selon Ésaïe 8, verset 14. Selon Ésaïe 8, verset 14. Et on remarque. Maintenant, qu'est-ce que vous allez remarquer? On remarque que David. Vous allez remarquer que David a bondissé. Il a bondissé ce qu'on a obtenu sa pierre, la maison de Dieu. Il avait préparé tous les éléments pour bâtir la maison de Dieu. A bondissé. Il a bondissé. Il avait préparé toutes choses. On a obtenu la maison de Dieu. Pour bâtir la maison de Dieu. Mais où il a bâti la maison de Dieu? Mais celui qui a bâti la maison de Dieu s'appelle Salomon, son fils. Et Benjamin, à Benjamin, pourquoi Salomon a moins noyé? Mais il faut venir m'envoyer. Mais tu dois comprendre ceci, bien aimé. Ma compagnon, ce soir, dans le lit, a commencé à me dire qu'on se trouve pour la maison de Dieu. Toutes ces choses, comment est-ce qu'il les avait préparées pour bâtir la maison de Dieu? Aussi, par beaucoup. C'est ce c'est la même raison de l'œuvre que le Seigneur avait avant de créer la 6 jours. Avant qu'il commence la création de 6 jours. Vous aurez le malin. Vous suivez attentivement. Dieu est un père. Zambé le Molanda. Éternel. Yahweh Elohim. Je prends l'exemple dans la vie. Pour rendre pour comprendre. D'aujourd'hui, mon gars, ministre, dans son exemple, mon conseil. Je prends quelqu'un qui est ministre. Et c'est qu'il y a à quoi mon tonga, un chef. Et il faut qu'il le fasse une chaise. Quand on va la chaise, et l'homme va le construire, il faut que ça maille et naille. Donc, premièrement, il faut d'abord rassembler ses pensées, son imagination. À propos de mon âme, ma gâte naille. D'abord imaginer la chaise dans ses pensées. Oui. Il a déjà formé une chaise dans son imagination, ses pensées. Après qu'il a pratiqué. Après il va pratiquer ça. Et non pas pratiquer, alors que déjà dans un mot. Ce qu'il pratique là, il l'en avait déjà. C'est naturellement ce que les seigneurs savent. Et ça, quand on a dit qu'il s'en passe à la paix. On imagine un mot dans la paix. L'intelligence ou l'imagination qu'a l'homme pour maintenant. Il veut bâtir une maison. Mais il voit déjà la maison dans ses pensées. Mais après, la moyenne de l'aïwana pour manifester. Maintenant, il va manifester son intelligence ou son imagination. C'est pourquoi la Bible parle de la création invisible. Et la création visible. La création visible est manifestée par sagesse et intelligence. Pour qu'il y ait un monde dans la cannabis, je vous ai dit que vous me saisissez dans ce que je dis. Ils ont manifesté par la sagesse et l'intelligence. Et Tanisamine Natila, il y a un monde dans la. C'est pourquoi j'ai pris. Exemple déconcernant. Vous en avez besoin pour mandat. Tu as besoin de bâtir une maison. Vous êtes en manière de mais tu prends ton salaire. Tu imagines déjà la maison. Comment que ça, la maison invisible. Donc c'est la maison invisible. Mais dans la manière de l'aïeux, la salle qui est utilisée. Dans toute ton intelligence, tu l'as déjà placée, tu l'as imaginé. Non, c'est pas couloir, les la côté de tes chambres. Je préférerais qu'il y ait un couloir de ses côtés, deux chambres aussi de l'autre. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec David et Salomon. Mais Salomon nous appelait à Salomon. David et Salomon la mon année. Et pas à Salomon. Chez Salomon. L'Église Salomon. Coucou qui s'amène à ma table. Et pas à David. Et pas à David. Vision et Salomon. Et mon ici, il y a Nakoué qui s'amène. Il y a un Salomon. Et ce qu'il a dit pas considéré comme la sagesse. C'est pourquoi Salomon devait être considéré comme la sagesse. Parce que Dieu a créé tout dans sa sagesse. Vous savez qu'il a pas eu son apprentissage. Dans son intelligence. Sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. C'est ça l'homme appelé Salomon. On y a pu parler la table. Mon Dieu va dire Salomon.
Amen. Donc ma parole c'est une donc les choses qui devaient être matérielles. David, David en avait en lui. Mais ça va aussi venir. Et c'est bien la toute ta vie, c'est pas toi qui les bâtis avec les c'est lui qui sortira de tes enfants. Mais c'est lui qui me la bâtira. Tous ces mouvements-là, ce sont des signes. Et au David. Et tu verras cette œuvre-là de David. Ma solo des années à c'était pendant les ténèbres que le Seigneur lui avait dit la nuit. Porte.
le sang qui sera dans les bassins. Dans la ni de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau, et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Je suis passé par là pour n'avoir pas de sa dame, car c'est drôle.
serviteur comme Isop. C'était uniquement pour y purifier. C'était uniquement pour nous purifier. Donc, Asa est encore d'abord roi. Il est lui-même le roi. Il y a comment il relève David en tant qu'il n'en a pas cèdre. C'est pourquoi vous verrez David était dans une maison de cèdre. C'est comme roi. Pourquoi la compote. Donc, Dieu éternellement, il est roi. Ça m'amène à ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a. C'est le roi éternel. Mon conti a 5 ans. Mazaraki n'a un programme. Mais il avait un programme. Son programme est venu. C'était quoi son programme? A manifester sa grandeur. Raconta qui s'abonnait les nains. Et pour ta qui s'abonnait les nains. Et pour manifester sa grandeur. Le passage de la sa propre sagesse. Et c'est qu'il y a ça de la poignée où il y a la sagesse de vous en avez marre? Vous comprenez? Et Salomon son fils. Après Salomon le mit. Après Salomon bâtira la maison. Vous aurez le malin. Vous suivez attentivement. Et donc on dit David. Quand tu vois David, la famille n'a pas celle. Dans sa maison de celle. Ensuite il pensait quoi ton mandat. Il a reçu une pensée pour bâtir la maison. C'est l'éternel. Et ça Yahweh. Après la création. Alors la programme à la manifester la création. Il a le programme de manifester la création. Nathan aussi, dans sa façon de dire, il y a manifestation à Salomon.
Et lorsque Nathan parle aussi de la manifestation, il s'en est c'était aussi la nuit dans l'obscurité. Et le meilleur est le bas caché. C'est le langage par le mystère. Voilà. Parce que quand on parle de Salomon, parce que lorsqu'on parle de Salomon, ça comme la sagesse. Salomon n'a pas le mot la poignée en santé. Mais est-ce qu'on peut dire 1 Corinthiens 2 dans 1 Corinthiens 2 pour aller à l'intérieur. Zalaba fidèle dans l'enseignement, voyez, ben, sois seulement fidèle dans l'enseignement et tu vas le maîtriser. Disons ce que vous avez pour la bonne montagne de Saint-Denis. Toute cette marche, c'est pour montrer Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ nous a dit ça. Mais à ce moment-là, on dit ça à Moussaï. Mais il avait aussi. Il nous montait pas à roi. Et c'est lui-même aussi qui est le roi. Il est mon copain dans un fils. Même aussi comme le fils. Et tout à l'heure, il n'a pas alors, nous regardons comment le Seigneur nous a dit. Il y a même aujourd'hui 1 Corinthiens 2, verset 6. 1 Corinthiens 2, le verset 6. Tina 7. Juste au verset 7. Cependant, nous lisons le nom de Jésus. Amen. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Tout à l'heure, les amis, moi, nous sommes tirés à la cantine de sa paille, ma coca-père. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ni des chefs nécessaires. Donc il y a ma compte qui vont être anéantis. Ma compte qui est ou ma compte qui s'en va. Il y a 1 Corinthiens 2. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Tous ceux qui ont attendu. Mystérieux. Oui, bon maman. Et caché. Bon maman, pétard. Quand même les sagesses sont présentes dans le terrain. Mais Dieu ne va pas croire qu'il y a un peu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, il dit pour le moment, ça fait à soi et non au pot, à sa réelle contribution, son aïeul à terre. Donc, le Seigneur a fait une chose, non pour que tout le monde la découvre, mystérieuse et cachée, oh, yo, et bon, ma pétain. Et Dieu, what avant les siècles, il y a un peu qui était ça, avait destiné pour notre gloire. Il y a sa réelle et sa bonne à quel point. Donc, sagesse. Avant la création. Donc cette sagesse a existé avant la création. Sagesse ou avant la création. Et le monnaie, Moutou a bien ami. Salomon. Et le signe de cette sagesse, c'est la personne de Salomon, le fils de David. Sans compter la Bible. Si tu lis la Bible, Salomon parle de la sagesse à l'oubli. Et Salomon aussi a reçu la sagesse aussi dans le terrain. C'est la même endroit. C'est la même endroit. Quand la ténèbre n'a pas bon, lorsqu'il s'était rendu à l'offrir. Salomon avait demandé à Dieu la sagesse au frère. Ah là là, il y a un arrêt. Il était dans le sommeil, dans l'obscurité. Et ça va avec la sagesse. Alors le Seigneur était venu avec la sagesse. Mais on se rend compte que c'est que mystérieuse et cachée. Tout ceci, c'est pour te montrer. Moi, on est bon, papa, pita. Mais le plus avec qui on a eu lié la mort. Mais c'est vrai, t'es préparé pour que tu la connaisses. C'est Salomon. C'est Salomon. Véritable réalité d'amour de Jésus-Christ. Autre mot, la sagesse, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Dans 1 Roi 3, 1 Roi chapitre 3, l'Écriture est libre. À partir du verset 7, à Gabaon 5, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Gabaon, Yahweh Elohim a dit là qui Salomon a tendu la carte. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Sagesse. Il est venu donner la sagesse.
cette affaire de Satan, ça n'est pas la vie de prier que Dieu lui donne la sagesse dans. Et à la maintenant. Ce n'est pas ça. Salomon était dans les songes. Salomon a sauté à la tête à l'autre. Il était en train de parler. C'était dans l'obscurité. Et ça n'a qu'une attaque à l'île. Et Dieu est venu t'amener la sagesse. Ça va être au baisse, au diable. Et c'est ce que Paul a dit dans le texte. C'est ce que Paul a dit dans le texte. Cette sagesse est un mystérieux et caché. À moi, il y a un salé, mais tu es bon, papa, papa, il faut se soulager. Il y a un mot de poids, ce sont la bousine, il y a un zambé, il y a un goulou, il y a un zambé. Donc, c'est pourquoi c'est la grâce de Dieu pour un homme de comprendre dans les profondeurs de la parole de Dieu. Parce que cette sagesse est vraiment cachée et mystérieuse. Tu vois, là, Dieu dans ta famille. Considère seulement le fils de ma tante, de mon oncle. Mais comme on a toutes les bénédictions, alors que Dieu toute une bénédiction pour eux. Comme la sagesse cachée. Moi, le bon maman. Ça va monter comme une maladie. Le Seigneur peut mettre. Mais pour vous comprendre, mais pour que quelqu'un la comprenne, il faut la grâce. Le Seigneur a son boulot. Up.
Le Seigneur a dit que nous apprenions tout de lui. Adam n'a rien dit. Même si je dois affamer, n'a mis mon Dieu le côté. J'ai fait des mouvements que j'ai fait. Faut que notre pas jamais. Si j'ai reçu Dieu, la parole n'a pas pour elle. Le Seigneur dit que j'étais toujours béni. N'a pas parlé de ma maison ou pas. J'ai commencé à dire que je suis un béni de Dieu. Voilà. Moïse avait la promesse du Seigneur. Moïse avait la promesse. Lorsque le Seigneur a appelé un signe, il lui avait donné un signe. Exode 3. Dans Exode 3, on va verset 10 et 12. À partir du verset 10 jusqu'à 12. Alors, une fois, c'est les signes. Vous voyez, pour ça, il y a des qui montrera que c'est moi l'éternel Dieu qui t'a dans la montagne de Sinaï. Sur cette montagne de Retz, vous voyez, vous servir. Tu es prêt à servir l'éternel. En sortant de l'Égypte, arrivé devant la mer, il n'était pas encore arrivé à cette Moïse avait dit des bonnes âmes. Moïse avait ses signes là dans la mer en France. Lorsqu'il voit l'armée des Égyptiens arriver, ils ont cru que la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Alors que la parole de Dieu ne va pas jamais faillir. Reste toujours à ton poste. À quoi accomplir, à quoi envoyer sa vie.